qui vont contenir doublement en eux et les protéines et la matière grasse, mais davantage la bonne matière grasse. Et comme exemple, dans notre héritage culinaire africain, nous avons les avocats, nous avons ce qu'on appelle les prunes, nous avons les safous, ou encore appelé atanga. De toutes les façons, l'image apparaît à l'écran. Donc, vous avez ce fruit oléagineux qui est peut-être minimisé dans notre environnement, mais qui va contenir à l'intérieur de très bonnes matières grasses dont la consommation va aider à diminuer les bouffées de chaleur. Et ce n'est pas tout, parce que on a aussi ce fruit qui apparaît à l'écran. J'ai nommé ici le fruit du pili que moi, et que on appelait dans mon environnement le fruit noir. Et je me rappelle, il y avait plein de vendeuses qui passaient fruit noir, fruit noir, fruit noir. Donc le fruit du pili va également contenir à l'intérieur les bonnes matières grasses, qui sont les oméga 3 pour être plus exact, et dont la consommation régulière va aussi aider à expérimenter une